Bonjour et bienvenue au cœur du massif du Sancy. Du massif du quoi? Enfin, en tout cas, pour être honnête, c'est un peu comme ça que j'ai réagi en venant ici. Et pourtant, vous allez voir que je vous propose un voyage magnifique, un voyage de cœur, puisqu'au cœur de la France se trouve la région d'Auvergne, au cœur de l'Auvergne, le Puy-de-Dôme, au cœur du Puy-de-Dôme, un volcan, le Puy de Sancy, qui est d'ailleurs le point culminant du massif central et le plus haut volcan de France métropolitaine. Alors tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on y mange? Alors quand je vous aurais dit qu'on cuisine du pot-au-feu au safran et qu'on y fait des tripous avec des petits bonnets. On préfère les petits bonnets aux gros bonnets ici. Bon, allez, suivez-moi. Et on commence par une visite de Besse, qui est un très joli village de moyenne montagne. On est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Au-dessus se trouve Super Besse, une station aussi charmante que moderne. Vous allez le voir un peu plus tard. Et Besse vaut vraiment le détour parce que, évidemment, le village est construit avec cette pierre de lave caractéristique de la région, mais aussi les maisons sont coiffées de lauzes. Elles sont assez cossues parce qu'autrefois, c'était une place importante de marché, de foire aux bestiaux. Et d'ailleurs, la plupart des rues ont gardé le nom des produits, le nom des métiers. Il y a la rue de la mercerie, la rue des bouchers, la rue du marché et un peu partout des boulangeries où l'on vend la spécialité de la région, la brioche à la tomme fraîche. Mais nous, ce n'est pas dans une boulangerie qu'on va aller la préparer. C'est chez Félicie qui la cuisine aussi. Félicie, issue d'une famille d'agriculteurs, a tout naturellement repris l'activité. C'est en famille que l'on travaille ici avec la double casquette d'éleveur de vaches laitières et de producteur de Saint-Nectaire fermier au lait cru. Emblème du Sancy, c'est le premier fromage d'Auvergne à avoir bénéficié d'une AOC en 1955. Mais aujourd'hui, c'est à la tomme fraîche que nous ferons honneur, ingrédient que l'on retrouve traditionnellement dans l'aligot ou dans la truffade, et dont nous allons cuisiner les restes, puisque comme le veut le bon sens paysan, rien ne doit se perdre. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je viens rendre visite à Félicie. Vous la connaissez? Oh oui, ça fait un demi-siècle que je la connais, c'est mon épouse. Non, sans blague. Ah, vous êtes Charles alors. Voilà. Voilà. D'accord. Et Félicie est là-bas? Elle est là-bas, elle bon, est là-bas. Bah, elle, je vais la voir. Elle est en train de sans doute de finir la fabrication de la traite du matin. D'accord. À tout à l'heure, Charles. Bonjour, bonjour. Bonjour, Julie. Bonjour, Félicie. Enchantée de faire votre connaissance. Moi aussi, je pose ça parce qu'il fait plus chaud du coup. Hein. Oui, mais là, il fait chaud, il faut vous déshabiller. Alors là, vous êtes en train de terminer le Saint-Nectaire. Il faut faire le nettoyage maintenant. Bon, les fromages sont sous presse, vous voyez. Ouais. C'est en train de s'égoutter jusqu'à ce soir. Alors, moi, je suis venue évidemment pour parler Saint-Nectaire et pour le goûter, mais surtout pour découvrir cette incroyable recette dont, alors franchement, je n'avais jamais entendu parler, la brioche à la tomme. C'est de la tomme fraîche, là, vous voyez. D'accord. Ah oui, c'est vraiment... En fait, le lait caillé et égoutté, voilà. Quoi. Et égoutté. D'accord, c'est le premier stade du fromage. Voilà. Là, il n'y a pas de sel et il n'y a pas d'affinage. C'est naturel. Vous voulez que je vous aide? Oui. Je la prends. Voilà la tombe fraîche. Allez, c'est parti. Et nous allons faire la brioche. Oh là 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 là, c'est beau. Je peux goûter? Ah oui, tout à fait. Ouais, on ne peut pas dire que ce soit dément. Hein. Non. Ça crie sous la dent, ça n'a pas de goût. Voilà, ça n'a pas de goût. Mais c'est justement ce qui vous intéresse. C'est ce qui nous intéresse pour faire la brioche. Si ça avait un goût de fromage, je ne ferais pas la même histoire. Ça serait pas bon. Ah ben c'est parti. Voilà. C'est ici? Oui, allez-y. Merci. Entrez donc. Hop là. Oh là là, quelle belle cheminée. Oh, ça, c'est la pierre volcanique d'ici, hein? Ah oui, c'est la pierre d'Auvergne, là. Mais revenons à notre tomme fraîche et débutons notre recette. Félicie sépare la tomme de son petit lait, alors que de mon côté, je casse 6 œufs pour lier la pâte de notre brioche sucrée. Alors, oh, ça c'est des œufs de ferme bien frais, non? Ah oui, c'est les œufs de nos poules. Ah ben voilà, vous savez à quoi je le vois? Oui. La finesse de la coquille. Alors là, il faut donc émietter. Faut émietter, si vous voulez essayer. Allez, c'est parti. Allez, hop. Ah oui, c'est du boulot parce que c'est ferme quand même. Hein. Oui, 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 c'est ferme. Pendant que je désagrège la tomme, Félicie ajoute un sachet de levure et le sucre. Ce qui s'appelle un pesage à la mano. Voilà. Un pesage à l'auvergnate. Alors maintenant, on va pouvoir rajouter la farine. D'accord. Et encore 500 grammes.
C'est ça. Alors, allez-y, on va voir s'il faut en rajouter à nouveau. Vous mélangez bien en remuant. Et en remuant avec la main. En tournant, voilà, vous tournez. Mais une main suffit. C'est ça le geste ? Voilà. Pour que ça vous fasse des blocs, mais il ne faut surtout pas la tasser. Il ne faut pas avoir peur d'y mettre les mains. Ah non, non, là, il faut mettre les mains à la pâte. Hein. C'est le cas de le dire. Eh bien, là, c'est pas mal. Il ne reste plus alors qu'à disposer la pâte dans un moule bien beurré. Félicie a opté pour un moule à savarin qui permet une cuisson plus homogène. Alors, pour la mettre alors, dans le moule, comment on fait ? Voyez, vous la prenez et vous la posez comme ça, sans la tasser. Okay. Il faut la laisser tomber comme ça. D'accord. Ouais, si elle veut bien tomber, parce que on est un peu empêtrés. C'est le cas de le dire. Puis nous l'enfournons dans un four préchauffé à 165 degrés. Ah bon ? C'est étonnant parce que c'est très granuleux. Oui. Mais c'est très bon parce qu'on n'a plus le côté un peu caoutchouteux et qui crissait sous la dent. Alors là, c'est parti pour 1h15. D'accord. Pour qu'elle soit bien cuite, c'est obligé. Sinon, eh ben, c'est le temps qu'il me faut pour me laver les mains. Peut-être pas tout à fait. J'en profite pour noter dans mon carnet la recette de la brioche à la tomme fraîche de Félicie, pour laquelle nous tenterons de nous procurer 1 kg de tomme fraîche ou de fromage frais caillé, 500 g de sucre, plus ou moins, 500 g de farine, un sachet de levure chimique et 6 œufs. Félicie profite du temps de cuisson pour me dévoiler leur trésor, à quelques pas de là, direction la rue des Caves. Chaque producteur du village en possède une pour y affiner les précieux fromages. Toutes ces portes-là donnent sur des caves enterrées, du coup. Voilà, des caves creusées, là, dans le tuf volcanique. Et depuis combien de temps ? Depuis le XIVe siècle. Elles affinent du Saint-Nectaire et elles ont toujours eu du Saint-Nectaire. Et voilà. Alors, ça, c'est la vôtre ? Ça, c'est la nôtre. D'accord. Alors. Ah oui, là, c'est pas le même climat. Hein. Ah, c'est pas du tout pareil. Hein. Ouais, il fait doux et humide, surtout. Alors, voilà comment sont creusées nos caves, vous voyez ? Ils ont été creusés à la main. Ça a été creusé à la main et à la pioche. Et on voit bien encore ces traces de pioche dans le tuf, là. Alors, ce fameux Saint-Nectaire, là, il y a un champignon qui s'est développé grâce à l'humidité qui est nécessaire, j'imagine. Oui, et puis on les a lavés aussi à l'eau salée. Ils sont toujours lavés deux fois à l'eau salée. Puis après, chaque semaine, il faut les essuyer pour écraser ce mucor gris. Ça s'appelle du mucor. La moisissure grise et les retourner. Évidemment. Voilà, une fois par semaine. Et l'affinage, justement, il dure combien de temps dans les caves ? Le minimum, c'est un mois. Ça, c'est dans l'AOC ? C'est dans l'AOC. Et puis après, plus vous le gardez, l'idéal, c'est un mois et demi. D'accord. Ça, et vous ? C'est une saveur qui convient à tout le monde. Vous, c'est ce que vous faites ? Si vous arrivez à l'avoir deux mois, il est encore meilleur. C'est encore meilleur, c'est comme tous les fromages. Voilà. Hein. Plus il reste à la cave, plus le goût va s'affirmer. Bien sûr. On va prendre celui-là qu'on a bien dorloté maintenant. Allez, allez. Ah bah oui, comme ça on le goûtera au banquet. Ça va être celui-là. Avec plaisir. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Faut pas être grand ici. Hein. Faut pas être grand, hein. Les Auvergnats étaient petits. Mais tout cela m'a mise en appétit. Il est temps pour nous d'aller savourer au chaud la brioche de tomme fraîche. Nous sommes rejoints pour passer à table par Charles et Stéphane, le fils qui travaille aussi à la ferme et qui ne louperait pour rien au monde leur pause gourmande. Et alors, la fameuse brioche, vous la mangez depuis des années, alors ? Oui, certainement d'années, en effet, oui. C'est magnifique. Je peux regarder ? On dirait un kouglof auvergnat. Voilà. C'est un peu ça. Ah, c'est incroyable. Mais autrefois, les gens n'avaient pas de moule. Je me souviens, ma grand-mère... Mais elle la cuisait comment ? Eh bien, elle faisait sa brioche et puis alors elle la disposait en couronne et elle la mettait au four comme ça. Il n'y avait pas de moule. Bien sûr, et ça devait être délicieux. Comme un pain. Comme un pain, un voilà. Peu comme un vous pain. Vous avez tout compris, ça se faisait comme ça, oui. Merci. Oh là là, c'est magnifique. Servez-vous. Ah ben, avec plaisir. Oh, c'est superbe, cette mie, là. Elle est bien alvéolée. Elle est bien levée et en même temps, elle est bien dense. On voit bien les morceaux de tomme à l'intérieur, ce qui fait que la pâte n'est pas tout à fait lisse, en fait. Félicie a pour habitude de l'agrémenter d'une confiture maison, en l'occurrence au mûr sauvage. Ah, vous mangez ça à la cuillère ? À la cuillère ou à la main, hein, comme on veut. Hein. Oh non, mais moi, je fais comme on me dit. À la main, c'est même plus pratique. Ah, vous me rassurez, avec un petit peu de confiture. C'est très bon. Mais ce qui est étonnant, c'est que, pour moi, c'est assez loin d'une brioche. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que ça ressemble à un gâteau, un cake qui est absolument délicieux. On ne pourrait pas deviner qu'il y a du fromage frais non égoutté. Hein. Ça pourrait être fait au beurre. Mais ça ne sent pas tellement le fromage. Non. Hein. Non, pas du tout, mais c'est bon. C'est bon parce qu'en plus, c'est croustillant à l'extérieur. Oui. Comme c'est une pâte assez dense. Et c'est moelleux à l'intérieur. Ça, c'est une découverte. Bon,
Bon, bah merci, merci Félicie. Rendez-vous demain à Compin. Pas de problème. Merci Charles. Et merci Stéphane. Alors, c'est 3 dans la région, c'est 4 ? Vous voyez. Donc tu veux. Salut, merci beaucoup. Allez, au revoir. Mais en parlant de découverte, je n'en suis qu'au début de mon périple et compte bien aller fouiner du côté des villages alentours. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. J'ai appris en venant ici que le Saint-Nectaire ne tenait pas son nom d'une quelconque congrégation de moines ou d'une abbaye où il aurait été inventé, mais du seigneur, pardon, la route est courbe, du seigneur de Saint-Nectaire, puisqu'autrefois, on payait une sorte de tribut à son seigneur en le payant avec ce qu'on fabriquait, et notamment du fromage dans la région. C'était une zone d'élevage depuis très longtemps. Et c'est donc ce seigneur de Saint-Nectaire qui a donné son nom au fromage, qui est un fromage, d'ailleurs, l'un des plus consommés en France. C'est la 5e production en fromage AOC. Et il vaut le détour, surtout, à mon avis, quand il est affiné un peu plus de 2 mois. Mais bon, ça, c'est entre nous. Après, chacun son goût. Mais il n'y a pas que le fromage qui fait la fierté de Saint-Nectaire, puisque depuis les Romains, le village fait parler de lui pour ses termes. C'est ainsi qu'un chercheur de sources pour l'industrie thermale eut l'idée d'un artisanat unique qu'il mit sur pied en 1821, la sculpture en calcaire pétrifié, un procédé inédit qui permet de réaliser des œuvres d'art uniques et que la 7e génération de la famille continue de perpétuer. C'est Christine, qui travaille ici en couple, qui nous en dévoile les origines. Alors nous voici dans cette grotte qui a été creusée par l'ancêtre de la famille il y a 2 siècles pour capter ces fameuses sources qui jaillissent ici dans ce bassin pour développer l'artisanat de la pétrification. L'eau est ensuite acheminée vers la fontaine pétrifiante, mais avant cela, un passage dans l'atelier s'impose aux côtés d'Éric qui fabrique chaque moule. Alors je suis en train de malaxer une gomme végétale que l'on appelle de la gutta-percha, qui était très exploitée au 19e siècle et nous sommes aujourd'hui les seuls à utiliser cette matière. La gutta, sorte de caoutchouc naturel, est recouverte de savon, lui évitant de coller en séchant, puis aplatie avant d'être déposée et pressée sur la matrice du bas-relief à réaliser. Alors là, nous obtenons le moule en négatif de la matrice. Donc on va aller le poser directement sous l'eau de la fontaine. Par un astucieux système, l'eau tombe en cascade sur des échelles sur lesquelles reposent les moules. Ce moule va rester de 6 à 14 mois sous l'échelle de pétrification. L'eau va couler sur l'échelle et va déposer ses carbonates. Et là, on va récolter les carbonates de manière à composer le bas-relief en calcaire. Une fois la pétrification terminée, les pièces totalement enrobées de calcaire repartent vers l'atelier où elles sont nettoyées et meulées pour leur donner leur aspect définitif. Voilà, c'est toujours un moment d'émotion que de découvrir le sujet terminé. C'est le résultat de 9 mois de surveillance quotidienne pour obtenir ce résultat. Une activité unique au monde, vieille de 2 siècles, pour laquelle la famille œuvre afin de continuer à lui faire traverser les décennies. J'espère que nos artistes pourront se libérer pour notre banquet. Et avant de s'enfoncer dans la poudreuse, on va cuisiner, une spécialité locale évidemment, avec Anne-Marie, qui est une baissarde pur jus, c'est elle qui le dit. Et elle va nous proposer sa spécialité presque familiale, le mourterol, une sorte de pot-au-feu au safran. Pourquoi du safran? Pourquoi du pot-au-feu? Nous allons en savoir plus tout de suite. Il n'y a pas à dire, la petite Micheline, c'est le véhicule idéal pour le ski. Hein. Quoique, bon an, mal an, elle tient la route.
Bonjour Anne-Marie. Bonjour Julie. Alors j'en déduis que vous tenez ce salon de coiffure pour m'avoir donné rendez-vous ici. Effectivement. Mais alors vous habitez dans le coin ? Juste au-dessus. Au-dessus, d'accord. Donc on va faire la cuisine là-haut ? Absolument. Alors nous on va cuisiner quoi ? Le Mourterol. Le Mourterol, je n'ai jamais entendu parler de ce plat. C'est un pot-au-feu, ouais. Façon auvergnate, de fête. De voilà. Fête. Alors, voilà. On va le faire ? Allez. La petite porte dérobée. Voilà. Et nous voilà dans le petit nid. Vous avez déjà commencé? Ah bah oui, j'ai pris un petit peu d'avance parce que... C'est long à préparer? Très long, 3 heures. Alors, dites-moi tout. Ah, direct le tablier et tout, hein, dites donc. Alors, donc, pot-au-feu. Le Mourterol, c'est un pot-au-feu enrichi avec une poule et un talon de jambon. Ça, c'est le petit côté auvergnat, petite coupe de pâte. Voilà. Mmh. Et ça, c'est quoi, plat de côte, c'est ça ? Ça, c'est la plat de côte, voilà. On a le jarret. Alors, qu'est-ce qu'on commence par faire, du coup ? On démarre par la viande, à froid, parce qu'on a une heure et demie moins de cuisson. Dis donc, toi, quand tu sors les gamelles, ça plaisante pas, hein ? Absolument. Vous faites rarement des repas pour moins de 15 personnes ? Oui. Moi, je rajoute ça, ce sont des petits os à moelle. Pour parfumer, pour me donner un peu de gras au bouillon, c'est absolument. Ça ? Absolument. Et là, ce sont des petits morceaux de carcasse de poulet. D'accord. Ah, comme, voilà. D'accord, comme des abattis. Hein. Voilà. Mmh. Ça, c'est pour corser le bouillon. Beau bouquet. Hein. Allez, hop. Alors, Anne-Marie, je couvre. Oui. Et là, on laisse cuire combien de temps avant de rajouter les légumes ? 1 heure, 1 heure et demie, en fonction de la tendreté de la volaille, quoi. Maintenant, intéressons-nous aux légumes. Des oignons piqués de clous de girofle, des navets, des poireaux, du chou rave et des carottes que nous épluchons puis découpons. Je vais plus vite que toi. Ah bah dis donc, t'as vu, tu m'as donné 150 carottes à peler. Anne-Marie a une petite astuce pour les cuire à point et préserver la saveur de chacun. Je vais les mettre dans un linge pour les cuire, de façon à les extraire au fur et à mesure. Comme la cuisson n'est pas la même. Et ça, c'est un plat que tu tiens de ta famille, de ta maman, ou alors c'est simplement un plat régional que tout le monde connaît ici ? Bon, c'est un plat régional et c'est préparé de différentes façons selon les localisations, si tu veux. Bien sûr. Voilà. Le Mourterol, c'est un plat qui demande tellement de temps à préparer que tu ne peux pas le proposer comme ça dans un restaurant. Tu peux que le faire en famille, avec des amis. C'est convivial. On pose le plat directement, c'est le plat complet. Sur la table, ouais. Moi, j'adore ça. La cuisson à l'eau, en plus, c'est très sain. Tu veux que je fasse les navets ? Vas-y, fais les navets. Donc, je mets tous les navets au cœur du torchon. Vas-y. Fais une papillote, quoi, en quelque sorte. Voilà. Allez, hop. Quick. Voilà. Voilà. Ah, t'as la méthode, hein ? Pas trop. On peut vérifier après, pendant la cuisson, voir si ce sont les carottes, les navets et autres. Alors maintenant, on fait les carottes. Même opération pour les autres légumes que nous empaquetons dans un torchon avant de les intégrer à tour de rôle dans la marmite en fonction de leur temps de cuisson, comme le préconise Anne-Marie. Donc là, on met les légumes qui sont les plus longs à cuire. Le chou rave. Donc les navets, on va faire le chou rave. Le navet. Ouais. Le chou. Le chou. Le poireau. Et la carotte. Et la carotte en dernier. En dernier, oui. Le temps pour moi de noter dans mon carnet la recette du Mourterol d'Anne-Marie. Pour réaliser cette version auvergnate du pot-au-feu, nous aurons besoin d'un jarret de bœuf de 500 g, d'un talon de jambon de 300 g environ, d'une poule d'1,5 kg vidée, de chou rave, de navets, de carottes, de poireaux, d'oignons piqués de clous de girofle et d'un bouquet garni. Et pour aromatiser le bouillon, un peu de safran et quelques tranches de pain rassis, puisque pour notre dégustation du jour, nous ne nous attarderons que sur le bouillon, qui se mange traditionnellement en entrée. Anne-Marie a justement pris un peu d'avance en préparant 2 bols et fait mitonner cette soupe à ranger au four. Alors Anne-Marie, je t'ai laissée toute seule là. Ça y est. Alors raconte-moi. C'est prêt, regarde. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as versé du bouillon? Oui, c'est le bouillon donc de notre Mourterol. Ouais. On a mis du pain rassis en dessous, bien mouillé. Comme on le faisait autrefois, c'est vraiment la soupe campagnarde. Exactement. Je te laisse la petite note de magie, parce que le safran, il ne faut jamais le cuire. Ah, tu le mets au dernier moment. Voilà. Ah bon, tiens, je ne savais pas ça. Alors là, tu as fait simplement macérer un fusée à froid. La veille, voilà, à froid, bien sûr. D'accord, des pistils. Avec un bouillon, de l'eau, ce que tu veux, peu importe. D'accord. Tu en mets un tout petit peu. Et j'en mets un peu. Voilà, comme ça. Regarde, ça va colorer notre soupe. D'accord. Et ça va la parfumer surtout. Voilà. Alors on se prend une petite cuillère, moi je voudrais goûter ça. Tiens, alors le Mourterol. 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 Mourterol.
Ah bon, ça ? Ouais, c'est bon, ça. C'est bon, hein ? Mmh, t'as raison. Et oui, parce que c'est vrai qu'on oublie que la base de la cuisine française, c'est les bouillons. Bien sûr. C'est avec les bouillons qu'on fait les sauces. Oui. Et donc, quand le bouillon est bon, tout le reste est bon. C'est pour ça qu'on a mis les os, qu'on a mis les carcasses. Mmh. Bon, c'est pas très beau, mais on s'en fiche. Mmh, on c'est enlever, ce qui donne le goût, tu as raison. Voilà, voilà. Et oui, quand même meilleur que de mettre un cube. Oh non, pas de sacrilège. Tu sais, nos anciens, finalement, ils avaient raison. Hein. Mmh. Il n'y a pas besoin de donner dans le compliqué, dans le luxueux. Hein. Non. Quoique le safran... C'est quand même pas donné. Il paraît que c'est l'épice la plus chère du monde. Oui, mais bon, non, mais si peu, regarde quelques pistes, bien sûr. Ouais, ça part. Tu sais qu'on en récolte ici. Il paraît. Ils en cultivent à 700 quelques mètres d'altitude, oui. Ouais. C'est pas fragile, donc ici, on peut en cultiver. C'est un repas local. C'est délicieux. Et donc demain, tu nous serviras la poule, le jambon, le jarret, etc. Avec les légumes. On commencera par la soupe, et après, on verra ce que tes autres amis nous ont concocté. Mais dis donc. Hein. S'ils le méritent, on leur donnera. C'est ça, en fait. Hein. D'accord. Eh bien, cela tombe bien, d'autant plus que le pot-au-feu est toujours meilleur le lendemain. Je quitte donc Anne-Marie, douillettement installée au pied des pistes, délaissée par les skieurs à cette heure tardive, mais qui semble pourtant s'activer en coulisses. J'irai voir cela de plus près demain matin. Chords are old, but we shake hands. 'Cause I believe that they're the good guys. We can use all the help we can. So many minor chords outside. Le jour se lève à peine sur Superbesse. Les premiers skieurs les plus aguerris ont déjà les skis sur l'épaule. Nous, on va aller à la rencontre de Grégory. Il fait un métier tout à fait méconnu, assez récent, mais indispensable et un métier d'avenir vu le développement des sports d'hiver. Il est niveau culteur. Alors pour laisser le mystère aussi immaculé que les pistes enneigées, je vous dirais simplement que c'est un maître de la neige. Comment ça va, pardon, hop. Ça va? Ouais, très bien, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, vous êtes déjà à pied d'œuvre? Belle journée, oui, depuis un moment. Ah les, bon les canons produits cette nuit, on va aller voir ça. Ah, vous êtes les boulangers de la neige, vous, hein? Et les boulangers, ouais, c'est vrai qu'on a des horaires qui ressemblent bien un peu aux boulangers, oui. Ouais, c'est ça. Donc on monte avec votre scooter des neiges? Ouais, on va prendre le scooter pour faire le tour des pistes. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Bien que le village de Superbesse bénéficiait de tous les atouts pour les amoureux de la glisse, il fallut attendre 1961 pour qu'une véritable station de ski soit créée. Perché à 1300 mètres d'altitude, le domaine skiable s'étend sur 25 km avec 27 pistes de tout niveau. En 2011, la station a même accueilli les championnats de France de ski alpin, pouvant ainsi rivaliser avec les stations de haute montagne. Bonjour. Bonjour. Patrick est en train de finir d'écarter un petit peu de neige. Ah, dites donc, vous en avez un bel engin rouge, vous aussi. Oui, c'est ma titine à moi. C'est votre titine. Elle a plus de chevaux que la mienne, hein. Je vais bien. Ouais. Et alors, ça, la station bénéficie, si on peut dire, de combien de ces machines? 5. 5. Nous avons 5 machines. Ouais. C'est beaucoup pour une petite station comme Superbesse, non? Ben, c'est beaucoup, mais c'est vrai qu'avec le réseau de neige artificielle qu'on a, ben, on est obligé de mettre des moyens en face pour que les pistes ouvrent à l'heure. Parce qu'en en fait, une grande partie de la neige est artificielle. 70% du secteur de Superbesse est équipé. Alors, on utilise ou on n'utilise pas. Selon la météo, évidemment. De la météo et de la neige naturelle. C'est ce qu'on appelle donc les nivoculteurs. Ce sont les gens qui produisent de la neige. C'est ça, qui s'occupent de faire fonctionner les usines à neige et de surveiller tout au long de la journée et de la nuit, bien sûr, la qualité de neige qui est produite par les enneigeurs. Mais alors, des usines, il y a de vraies usines, là, aux alentours?
Ah, c'est pas une usine. On appelle des usines à neige. En fait, c'est un local de pompage qui est sous le niveau du lac pour récupérer l'eau. Donc, vous devez la pulvériser à un certain moment de la journée précis où le froid est suffisant pour qu'elle se transforme en neige. Ouais, on dit qu'on peut commencer à produire de la neige à partir de moins 2. Mais après, on a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, notamment l'humidité qu'il y a dans l'air. Et puis la température d'eau, la température. Quand je disais que vous étiez boulanger, j'étais pas loin parce que c'est le cas des boulangers, ils font jamais le même pain et c'est en fonction de l'humidité aussi. Ouais, ben nous c'est un petit peu ça, ouais. Et Patrick, est-ce que je pourrais faire un petit tour de dameuse parce que ça c'est un rêve d'enfant. Hein. C'est tout à fait possible, oui, bien sûr. Vous pouvez me redescendre à la station. Je vais vous redescendre à la station. Allez, c'est parti. On est parti. Bon bah Grégory, merci, je vous laisse travailler. Eh ben merci. À et bientôt. Et puis surtout, alors j'ai vraiment découvert un métier. Hein. Je crois que je ne skierai plus de la même façon maintenant. À bientôt. À bientôt. Allez, je passe de l'autre côté. Voilà, vous passez de l'autre côté. Alors, oula. Servez-vous toujours de, voilà, de la partie d'accord. Du bras du rétroviseur. Ouh, c'est chaise longue en fait. Hein. Oui, c'est sûr qu'elle n'est pas... Je vais descendre. Non, c'est bon. Non attendez, quand même. J'arrive à fermer la porte de Micheline et pourtant elle est résistante. Voilà, ça y est. Aïe, oula. Non, il faut fermer un coup plus sec. Oui. Bah, ça marche pas. Hein. Non. Il dégueule. Bougez pas. Je sais pas, ouais, ça ferme pas. Un truc. Ah bah voilà. Et bah, s'il suffit d'avoir le coup de main. Voilà. Wouhou. On est bien installé, hein. Là, on arrive sur une piste quoi, là? Sur une piste noire. Ah oui, c'est ce que je me disais, parce que c'est vachement pentu quand même. Sur une piste noire. Elle a intérêt à être bien accrochée au sol, votre machine, parce que là, on est... Tout à fait. On est très en pente. Et il y a du verglas, en plus. Il y a du verglas, oui, effectivement, mais bon... Non, mais ce genre de machine a quand même des possibilités énormes. Bon, bah merci. De rien, je vous en prie. Merci, Patrick. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commander un muffin carotte. Un petit muffin carotte. Au pied des pistes, c'est un camion qui semble être au cœur des convoitises et proposer un peu de réconfort aux sportifs et aux gens de passage. Allons jeter un œil. Bonjour. Bienvenue au cockpit. Au cockpit. Cockpit, c'est ça? Exactement, c'est le cockpit. Le trait d'union entre l'Auvergne et le reste du monde. Alors aujourd'hui, voilà, c'est truffade avec salade et jambon de pays. Ouais. Et puis, on propose également un muffin avec du bleu d'Auvergne et des carottes, avec du cumin et de la coriandre. C'est cuisine locale, alors. Voilà, cuisine locale. Food truck locavore, en quelque sorte. Exactement. On se source aux alentours du Sancy, auprès de producteurs. D'accord. Voilà, on a des producteurs bio pour les légumes, producteurs de viande, des producteurs de fromage. Et vous transformez, vous. Et on transforme nous-mêmes. Et puis, tous les jours, on est à un emplacement différent avec le camion. Moi, je vous prendrais bien une petite truffade d'ailleurs, ça m'a creusé là cette balade. Une petite truffade ? Ouais. Et là, c'est parti. Alors, la truffade, c'est ça, donc c'est des pommes de terre. C'est des pommes de terre. Et d'ailleurs, le mot vient de truffe. La truffe, c'est la pomme de terre ici. Non, comment on dit en patois ? La truffe. Truffe, d'accord. Et ça, c'est quoi ? C'est du jambon de pays ? Tout à fait. Jambon d'Auvergne ? Et on met de la salade ou c'est vous qui l'a rajouté? Nous, on met de la salade pour qu'il y ait une petite touche de fraîcheur. Et ces pommes de terre, elles sont cuisinées avec du fromage, donc? Exactement, avec de la tomme fraîche. Tomme fraîche de Cantal, alors? De Cantal. Ou 100 hectares de Cantal. De Cantal, tout à fait. T'as bien courant. Ah bah quand même, hein, y a un moment où ça finit par rentrer. Ce qui est très drôle, c'est d'arriver à le transformer version street food. Parce qu'il faut que ce soit qu'on puisse le manger, qu'on puisse l'emporter, qu'on puisse le manger avec les doigts pour certaines choses. C'est ça qui est sympa aussi. Ah, ça se mange avec les doigts, d'accord. La truffade, j'aurais pas dit ça avec les doigts. Ça fonctionne quand même. Mais ça marche quand même, c'est vrai. C'est délicieux, hein. Salut les amis, merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Rendez-vous à la prochaine étape. Et bon voyage. Bon voyage. Au revoir. J'ai jamais attendu le soir pour me livrer de ton histoire. Raconte-moi les océans, les espaces et les sentiments.
Bon, après avoir sculpté la truffade, parce que je vous cache pas que sous l'effet du froid, avec la quantité de fromage qu'il y a là-dedans, eh bien, on pourrait quasiment en faire une sculpture. On va maintenant sculpter une autre spécialité du pays, plus noble, on va dire. C'est la pierre de lave. Et c'est Thierry Courtadon, qui est vraiment un enfant du pays, fils et petit-fils de tailleurs de pierre, qui, lui, a rajouté sa part créative, on pourrait dire, à l'exercice. Il réalise des sculptures, la plupart du temps monumentales, qui sont exposées en France, mais aussi à l'étranger, parce qu'il est connu dans le monde entier. Dès le XIIIe siècle, la pierre de Volvic, dite aussi andésite, fut exploitée pour l'édification de nombreux bâtiments de grande envergure, pour l'habitat traditionnel, mais aussi pour les monuments funéraires. L'atelier Courtadon à Volvic s'est engagé dans la voie de ses pères et continue la tradition de Carrier, tailleur de pierre et sculpteur, transformant ainsi cette matière première volcanique. C'est une matière qui est vivante. Vous avez vu, on a des trous, on a des bulles, on sent que ça a vraiment vibré, ça a vraiment chauffé à ce moment, quand elle était en éruption. C'est ce qui me plaît parce qu'elle vit avec la lumière, elle vit avec l'humidité parce qu'elle change de couleur par rapport à l'humidité. Et c'est vrai, c'est celle qui m'inspire parce qu'elle est au fond de moi. C'est Édouard, son père, qui lui a transmis son entreprise, qui peut témoigner de l'évolution du métier, d'autant plus qu'il travaille toujours à ses côtés. Quand j'ai repris l'affaire, moi, en 1971, à Volvic, il y avait une 50, 60 artisans qui travaillaient la pierre, qui faisaient de la cheminée, du bâtiment, et du monument funéraire. Aujourd'hui, nous sommes 3, 4, mais c'est tout. C'est tout naturellement que Thierry, son fils, a baigné dans cet artisanat dès son plus jeune âge, tout en y apportant sa sensibilité artistique. À l'âge de 5 ou 6 ans, il venait déjà à l'atelier, il savait tenir une massette et un ciseau. Donc voilà, il a évolué, il est né là-dedans et ça lui a plu et voilà, il en a fait son métier. Le travail artistique que fait maintenant Thierry, à notre époque, à mon époque, bon, ben, ça n'existait pas que maintenant. Bon, avec les machines aussi et le matériel qu'on a, on peut se permettre de créer et de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est un des concepts de mon travail, d'arriver à évider la matière de façon à ce que la lumière passe à travers elle-même et qu'on ait voilà, comme un effet un petit peu de dentelle. Et là, je raconte à travers cette matière, je raconte des histoires. Le métier ancestral dans la pierre de Volvic, c'était évidemment les monuments funéraires. Et on se rend compte, quand on va dans les cimetières, on se rend compte que toutes les stèles étaient ornementées, donc soit en bas-relief floraux, soit en gravure. Je trouve que ça donc... J'ai retenu la technique et voilà, je l'ai utilisée maintenant dans une méthode un petit peu plus contemporaine pour mettre un pas dans le XXIe siècle. Une matière première millénaire qui va encore longtemps ornementer les paysages et les intérieurs grâce au vent de fraîcheur insufflé par Thierry. Mais c'est beau. C'est-à-dire que c'est vraiment une nature à l'état sauvage. On a l'impression que la région a été oubliée du reste de la France. Pardon, il y a un tournant. Mais il faut dire qu'elle a été très longtemps enclavée avec son U montagneux. Et bon, maintenant, les transports se sont un petit peu développés, mais pendant longtemps, on vivait quasiment en autarcie ici. Et c'est ce qui assure l'authenticité des paysages et aussi des caractères, d'ailleurs. Oh là. Bon, revenons à nos moutons. En tout cas, à notre cuisine pour la dernière recette de cette émission. On se dirige vers le joli village de Compin, où on va organiser notre banquet, chez Françoise qui nous accueille. Mais ce n'est pas Françoise qui va cuisiner cette recette, c'est Florence, une de ses amies. Et Florence, elle nous propose une fierté régionale, le tripou. Mais elle ne les fait pas tout à fait comme tout le monde. Et ça m'arrange entre nous parce que je ne suis pas très tripe. Et elle ne garde que la pancette. Quelle farcie! Je dois vous dire qu'elle sait de quoi elle parle parce qu'elle est fille de restaurateur, même si aujourd'hui, ça n'est pas son métier, mais seulement sa passion, comme vous et moi. Bonjour Françoise, bonjour, comment Julie. Ça va? Ça va bien, merci, je vous remercie. Merci de nous accueillir. Entrez au chaud. Quelle jolie maison, merci.
Bon, alors, je vous présente Florence, la cuisinière. Voilà. Spécialiste dans les vins aussi. Ça va bien? Oui, ça va bien, mais voilà. Quel endroit magnifique. Oh, elle est superbe, cette cuisine. Je comprends que tu l'empruntes de temps en temps pour préparer tes petits plats. Eh oui. Et puis après, on accueillera nos copains pour le banquet. Pour le banquet, tous nos invités. C'est gentil de nous avoir ouvert ta porte, en tout cas. Bon, bah écoutez, ça me faisait plaisir aussi. Bon, et nous, on se met au travail. Ah oui, tout à fait. Allez, parce qu'il y a du boulot. Hein. Toi. Allez, hop là. Alors, on commence par quoi, Florence? Alors, on va commencer par le fond. Tu fais ton propre fond? Je fais mon propre fond, voilà. On plaisante pas ici, hein? Non, on plaisante pas, parce qu'en plus, de toute façon, comme on aime les bonnes choses, on aime le fond, le vrai. Et on aime prendre le temps de les faire. Voilà. Tout à fait. Allez, on y va. Donc là, tu as une queue de bœuf. Voilà, tu as une queue de bœuf, des os de veau et tu as un petit peu de queue de veau. Alors, tu queue sales... de veau et queue de bœuf, voilà. D'accord. Donc tu sales, tu poivres. Et ça, c'est un os à moelle. Voilà, c'est un os à moelle. D'accord. Donc tu mets un peu de sel. Mmh. Voilà, tac. La queue, il faut vraiment qu'elle soit gratinée bien à la limite d'être brûlée. D'accord. Pour, si tu veux, ressortir toute cette viande, quoi, tout ce jus. Bon, d'accord. Et donc, il faut faire ressortir donc, tout ça. Donc, ton four, il est au max. Il est au max. Il faut le mettre à peu près à 300 degrés. Et après, on va le diminuer en mettant les légumes. Je vais te mettre un peu de l'huile d'olive. D'accord. Voilà. Vas-y. Vas-y. Là, c'est à l'œil, on attend que ça, voilà, caramélise, que ça caramélise bien. D'accord. On va remuer un tout petit peu. Pendant que cela dort doucement au four, nous désossons l'épaule d'agneau pour la farce. Donc ça, le cas échéant, pour ceux qui ne seraient pas aussi habiles de leur couteau que toi, on demande au boucher de le faire. Oui, voilà. Et tu continues de pratiquer une cuisine traditionnelle et familiale, ou ça t'arrive aussi d'innover, d'inventer? Oui, bah tu vois, la pancette, justement, c'est quelque chose que moi, j'ai mis au point parce que je trouvais que c'était trop fort d'utiliser les boyaux. J'avais envie de faire autre chose. Donc, je l'ai farci, justement, avec les bols. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment ta recette. C'est pas la recette de la région. C'est vrai que moi, j'ai eu un moteur, c'est ma grand-mère. Mmh. Elle m'a appris beaucoup de choses. C'était toujours quelqu'un d'inventif, qui faisait des beignets de fleurs de courgettes. Elle était d'ici, elle était auvergnate? Elle était auvergnate, oui. Alors allons-y. On met à cuire notre agneau coupé en cubes dans une marmite chaude et huilée, avec des échalotes préalablement émincées et de l'ail écrasé. Dont les gousses d'ail ici, c'est pas des gousses, c'est des têtes en gousses. Hein, t'as vu, on a une super région à Billon, justement, il y a une foire pour ça. Et tous les ans, je vais chercher mon ail. C'est de l'ail qui est un peu rosé d'ailleurs, comme un peu à l'Autrec. Rosé, oui. Voilà, tout à fait. Quelques champignons mis en conserve par Florence, en l'occurrence des cèpes. Lily, puis-je? Oui. Hop là. Allez, Lily, pousse-toi. Alors, une petite poignée de champignons, selon les disponibilités et la saison. Ainsi que des herbes, du persil et de la ciboulette, le tout finement ciselé. Mais tes herbes, tu ne veux pas les mettre à cru, tu vas les faire cuire. Oui, oui. D'accord. Ouais. Nous laisserons cuire le tout 15 minutes avant de le réserver. Oh, ça commence à dorer, là. Ça sent bon, surtout. Autour du fond de sauce d'être préparé. Et pour cela, nous récupérons les queues de bœuf et de veau pré-cuites au four. Hop. Alors. Hop, on va mettre les légumes. Hein. On va récupérer les petits sucs qui sont avec de l'eau. Voilà. Parce que ça, c'est très important, les petits sucs. Voilà, tac. On met dans le jus. Donc, on va mettre 2 litres de rosé. Waouh! Hein? Toi, quand tu te sers des verres de rosé, hein, tu les ines pas. Ah, voilà. Pourquoi du rosé, d'ailleurs? Parce que j'avais pas de vin blanc, et que ça soit rosé ou blanc, bien sûr, ça marche. Voilà. D'accord. Une fois que c'est la cuisson, on le voit pas. Hein. Bien donc, sûr. Voilà. 1 litre d'eau, tu vois, qui est là. Ouais. Voilà. Il faut qu'en fin de compte, ça soit bien recouvert. Donc, moi, j'ai fait du coulis de tomate aussi, parce que ça donne énormément de goût. Mais en fait, c'est une recette, quoi. Faut poser 3 jours de vacances pour la faire. Exactement. C'est ça. Oui, c'est très long. Mais la cuisine, c'est très long. La cuisine traditionnelle, c'est très long. Et encore un beau bouquet de persil, des échalotes entières et quelques tomates cerises. Voilà. Et là, on va le mettre à cuire. Là, on laisse cuire 3 heures. Voilà. 3 pour heures. Que vraiment la queue de bœuf soit bien tendre et qu'on puisse la dépiauter et qu'on va la lier à l'épaule d'agneau. Et là, on n'est qu'à la moitié de la recette. Voilà, tout à fait. Pour réaliser des tripoux comme Florence, il vous faudra quelques heures, mais aussi, pour l'élaboration du fond de sauce, 3 queues de bœuf et 1 queue de veau tronçonnée, 3 os à moelle, des échalotes, des carottes, du céleri, quelques tomates cerises et un bol de coulis de tomates.
N'oubliez pas non plus le persil, la coriandre, la ciboulette, bref, un bouquet garni. Puis 2,5 litres de vin blanc ou rosé. Et pour la farce, 2 petites épaules d'agneau, de l'échalote, de l'ail, à nouveau de la coriandre, du cerfeuil, du persil et de la ciboulette, 300 g de cèpe en conserve, un petit peu d'huile d'olive et de beurre, et surtout 12 petits bonnets de pancettes d'agneau rincés au vinaigre. Là, après, l'idée, c'est de dépiauter les voilà, queues. Voilà, dépiauter les queues. Mmh, comment vous dire, ça sent un peu la daube, comme on dit en Provence. C'est la tomate qui fait ça et le vin, en fait. Et puis, c'est cette cuisson 3 heures, quoi. Ça n'a rien sûr. À voir. Mais tu laisses couvert, c'est important, parce que comme ça, les saveurs sont préservées. Voilà, tout à fait. Et oui, il y a de quoi faire. Voilà. Et donc, ce jus va servir à la cuisson des pancettes. D'accord. Pour l'instant, on s'occupe de la viande, si j'ai bien compris. Donc, on va dépiauter. Ouais. Hein. La queue, si tu veux, c'est tellement gélatineux que ça donne un liant à la sauce. Bien sûr. Donc, c'est, ça épaissit la sauce épaissit sans que tu aies besoin de faire un roux. Ouais. Alors, attends, question. Regarde, toute cette partie, justement, très gélatineuse. Tu la mets. Hein. Oui, c'est d'accord, très bon. Je mets c'est tout. C'est délicieux. Hein. La viande de bœuf déchiquetée, nous l'ajoutons à l'agneau, puis relançons brièvement la cuisson, juste le temps de mélanger les saveurs. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Ça commence à accrocher dans le fond. Hein? Oh, on a envie de le manger à la petite cuillère. Hein? Voilà. Ouais. Voilà, on va le poser sur la planche. Hein? Et donc ça, bah, cette cuisson-là, ce mélange, on va farcir les petits bonnets. Ah, c'est là qu'on farcit les bonnets. Les tripous se réalisent originellement avec les boyaux, mais Florence a préféré le goût moins prononcé de la pancette. Tu vois, on est généreux. Donc voilà, et là, on va la coudre comme une petite bourse. Tu vois. D'accord, ah, tu la couds carrément. Voilà, je la couds, tu vois, comme ça, tac. Comme tu briderais une volaille, en fait. Tout à fait. Voilà. Tu veux pas finir ? Si, avec plaisir. Voilà. Hop, comme ça, ça te va ? Voilà, et alors ? Je refais un petit tour ? Voilà, tu fais un tour, comme ça, pour pas que ça s'échappe. Tac. Et tu remets un coup d'aiguille. Voilà. J'ai compris. Voilà. Allez, je vais partir de zéro. Voilà, puis là, tu donnes un coup de ciseau, terminé. Donc là, on va déposer les pancettes dans ta cocotte. Dans la cocotte. Donc tu gardes les sucres de la cocotte, du coup. Voilà. Donc c'est un par personne, finalement, c'est facile pour le service. C'est un par personne. Le fond de sauce est filtré et ajouté à nos petits chaussons pour nourrir les chairs lors de la cuisson. Tout simplement. D'accord. Bah, cela dit, pourquoi on le filtre ? On pourrait laisser... Oh non, c'est meilleur quand même. Ouais. Oui, ça nous fait une belle sauce onctueuse. D'accord. Et tout. Non. Plus lisse. Non, faut vraiment quand même faire... Ah, t'es pas fille de restaurateur pour rien, hein. Voilà. Il y a un moment où vraiment... les gènes parlent. Voilà. Alors ça, ben là, on va le mettre au four. Ah d'accord. Hein. Ça, on remet ça au four. 8 heures plus tard. Et on va faire mijoter une bonne heure et demie, tu vois. Voilà. C'est ça. Le temps ne s'écoule pas de la même façon en Auvergne, quand même. Hein. Ah ben, on prend le temps. Puis en plus, c'est l'hiver, tu vois. Donc, oui, nous, dans les maisons. On s'arrête, c'est un peu comme la marmotte. Voilà. Donc là, tu dis, au four à quelle température ? Oh, on va mettre à 150 degrés. Pas on commence un chaud. Four hein, bien chaud, 200. Et puis un quart d'heure, 20 minutes après, d'accord. On baisse à 150. Voilà. Hop là. Ah. Bon, et là, alors après, qu'est-ce qu'on fait ? C'est fini. Hein, ça va. Pendant que Florence veille au grain, Françoise, la propriétaire des lieux, nous a rejoints. Et pour ma part, je commence à dresser la table. L'odeur alléchante fait arriver nos premiers convives. Et c'est Thierry, le sculpteur de pierre de Volvic, qui fait résonner la sonnette. Bonjour Thierry, viens te mettre au chaud. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et comme toujours, la générosité est également de la partie. Thierry n'est pas venu les mains vides. Ouais. Je voulais le graver dans la pierre de façon à ce que ce soit destructible. Oh ben si. Oh, mais dis donc, quel boulot, c'est magnifique. Voilà. Atelier Courtadon, la petite titine. Non, je vais pas, elle n'est pas rouge là, mais bon, génial, voilà, on la reconnaît. La Micheline, les carnets de Julie, dis donc, t'as fait le logo et tout. Eh ben merci, et c'est un beau cadeau. C'est un cadeau pour toute l'équipe des carnets de Julie. Voilà. Ce sont ensuite nos producteurs de Saint-Nectaire, Charles et Félicie, qui viennent nous retrouver avec leur belle brioche à la tome fraîche. Mouah. Entrez bien. Ah oui, 3, pardon. Allez, encore 4. Allez, 4. Les Auvergnats. Bonjour, Julie. Les Auvergnats, ils sont généreux. Le salon s'est rempli. Anne-Marie est également parmi nous avec son Mourterol. Mais aussi Christine, des sculptures pétrifiantes, et Grégory, le nivoculteur, notre spécialiste de la neige.
Nous pouvons alors tous passer à table et débutons en mettant à l'honneur le vignoble auvergnat. Bon, alors à la santé de la neige et des auvergnats surtout. La santé. Allez, donnez-moi vos assiettes. Et comme promis la veille, c'est au pot-au-feu d'Anne-Marie de commencer à ravir les palais. Hop, bien donc. Trois morceaux. D'accord, trois morceaux. Attention, hein, non, mais c'est à la baguette ici. Hein. Alors, le jambon. Le bœuf. Et la poule. Eh bien, impeccable. Merci. Voilà. Et un peu de chou. Pas évident à servir. Allez, hop, voilà. C'est délicieux parce qu'on a à chaque fois des goûts, des textures différentes. C'est... Ah ouais, c'est très très bon. Avec en plus l'os à moelle qui donne un vrai goût au bouillon. C'est délicieux. Alors Charles, qu'est-ce que vous pensez de ce plat? Je me mange chaque jour les premières bouchées, c'est un délice. Ah, c'est gentil. Bien que le Mourterol ait calé nos estomacs, nous entamons maintenant les tripoux de Florence servis sur un lit de lentilles, autre spécialité de la région. C'est somptueux parce que c'est complètement laqué presque. Hein. Et regardez ça, les amis. C'est magnifique. Impressionnant. Bon, là, il faut reconnaître que c'est plus facile à servir, c'est vrai. Hop là, voilà. Hop. À l'attaque. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est extra. Bon? Vraiment bien, oui. Ça permet de se revigorer avant de repartir sur les pistes? Oui. Vu la météo, je vais aller faire la sieste, je pense. C'est très raffiné. Mais alors, on voit même à l'intérieur différentes textures de viande. Voilà, alors souvent, j'en fais un petit peu plus, parce qu'une fois que tu es parti à faire des petites pincettes, bah, t'en fais pour une vingtaine. Mais souvent, bon, bah, t'es pas 20 à table. Mais le reste, je le laisse refroidir. Je le fais cailler au frigo et on peut le servir froid avec une petite salade. Comme une caillotte. Voilà, ou alors on va en pique-nique et tu coupes ça comme un saucisson, quoi. Ne nous laissons pas abattre. Pendant que la brioche de Félicie chauffe doucement au four, nous attaquons l'emblème de la région, le Saint-Nectaire. Dans cette région, vous ne mangez que du Saint-Nectaire en guise de fromage ou il y a d'autres fromages qui trouvent leur place? Il y en a cinq. Alors, quels sont-ils? Vous avez du Saint-Nectaire, la Fourme d'Ambert, le Bleu d'Auvergne, le Cantal et le Sac. C'est bien chance, hein? Il faut dire qu'il est bon, hein? Voilà, et puis ma grand-mère, elle disait, il ne faut pas enlever la croûte, il faut la gratter. Hein. Ah bon? Voilà. Il faut enlever juste le petit champignon, quoi. Voilà, la petite moisissure que tu as dessus. La petite moisissure. Encore. Moi, je trouve que c'est bon. Et voilà. Encore. Mais bon, moi, je la gratte un petit peu, quoi. Voilà. Toi, tu la grattes. Bon, bah, attendez, moi, je fais comme vous, hein, les enfants. Il a combien de mois d'affinage? Il a 5 semaines d'affinage. Pas plus. Quelques jours de plus. Plus. Fiscal, ça, c'est oui. Voilà. Écoute, il est délicieux. Alors, justement, je vous prends au mot, parce que moi aussi, personnellement, je préfère les fromages un tout petit peu plus affinés. Alors, est-ce que je peux l'acheter et l'affiner chez moi? Mais moi, je n'ai pas une cave de 500 ans avec l'humidité, etc. Hein, comment je fais? Alors, vous l'enveloppez dans du papier absorbant, plus toutes les pages du Parisien. Mais alors, du Parisien, avec Libé ou le Figaro, on ça marche pas. Le journal. Non, mais c'est pour vous foutre de la gueule des Parisiens, vous dites ça? Dites-moi, avec un journal. Mais oui, parce que vous ne voulez pas que le journal soit au contact du fromage, c'est voilà, ça. Il ne faut pas que l'encre soit sur le fromage. Donc, d'accord. Vous l'enveloppez d'un papier absorbant. Ah, ça, c'est intéressant. Et ça ne va pas le sécher? Pas du tout, au contraire. Et vous mettez votre fromage au-dessus du bac à légumes. D'accord. Une fois par semaine, vous ouvrez. Ah, quand même. Le fromage. D'accord. Vous le frottez, vous l'essuyez. Ah, qu'est-ce que vous faisiez, vous, dans votre cave? Vous le retournez. Et d'accord. Vous le reloppez dans le même emballage. Et là, on peut l'affiner encore quoi? Plusieurs mois? Plusieurs mois, non. Au moins un mois. Vous pouvez le garder encore 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ah, ça, c'est un bon truc. Et ça marche pour tous les fromages? Ça marche pour tous les fromages. Eh ben, un fromage entouré de feuilles de chou. Ça, je connaissais pas. Et pour finir en beauté, Félicie apporte la brioche de Tom Fraîche, son autre spécialité. Alors, la brioche de Félicie. Chose des comédies. Oh non. Est-ce que ça se fait salé aussi? Ah, d'accord. Mais alors, qu'est-ce que vous mettez dedans? En apéritif, des petits lardons. Ah, des petits lardons. On peut même mettre du Saint-Nectaire, du coup. Non, ça fait beaucoup, du quand même. Du Saint-Nectaire, il y a déjà pas mal de fromage. Bon, écoutez, nous, on n'a pas la confiture, mais on a surtout une autre spécialité auvergnate, qui sont les pâtes de fruits. Et ça, j'ai découvert en venant ici que vous aviez parmi les meilleures pâtes de fruits de France. D'abord parce qu'elles ont un taux de fruits très élevé, plus de 50%.
qu'ensuite, il n'y a aucun conservateur, qu'il n'y a pas d'arôme artificiel et que c'est principalement des fruits nobles. Ce qu'on appelle les fruits nobles, c'est plutôt l'abricot que la pomme, par exemple, qui a plus de goût. C'est bon ? Alors, Félicie, hein, elle est géniale, votre brioche. Ah. J'en ai goûté une fois. Ça m'a buté, ça je pouvais plus en manger. Mais alors là, celle-là, elle est vraiment délicieuse, sincèrement. Vous voyez, je vous disais que... Sincèrement, je change d'avis, là. Vous étiez très modeste tout à l'heure, mais je peux vous dire qu'elles ne sont pas toutes aussi bonnes que ça. Voilà. Bon, on va devoir quitter l'Auvergne, cette terre où l'amitié est aussi solide que la pierre de lave, où la gourmandise jaillit comme l'eau des montagnes, et puis surtout ces belles étendues, apaisantes effectivement, et infinies. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, à vos bonnets, à vos brioches, et soyez là pour la prochaine. Salut! On met tout ça alors, dedans? Non, alors non, attends, non. Du coup... Ah! Chant! Faut pas que le navet se fasse la malle. Où est-ce qu'il est? Il est parti, laisse-le. Oh bah quand même, sinon tu vas le retrouver dans 3 ans. 3 ans? Ça veut dire que je fais pas le ménage? Quand dans ma ville faisait froid. C'est vrai qu'il fait froid. Hein. Ah, on a voulu l'Auvergne, oh là.